analystes et bon après-midi tout le monde qui l'écoute. Nous pour reprendre notre travail et Paris Martin avait avant notre break. Nous puis aller un petit peu le bon contrat et bon l'agrément en général. Comment nous pouvons faire là? Nous pour donner la parole à Honorable Georges pour donner un petit brief là. Après nous parlons directement. Moi va donner au professeur aussi des minutes pour lui donner notre direction côté. Nous pouvons aller le sasapit qui appelle book 3 dans nos petits livres civil code et après nous avons ouvert la salle et encore on peut demander aux membres publics qui peuvent suivre nous dehors qui nous concerne faire pareil je t'ai fait un bon matin envoie je te conseille à travers les autres membres et ça me conseille à capable mettre devant mon gars dit petit sa session de Paris un exercice quoi légal mais et ça et ça qui est arrivé par là, mais tout ça là, il y en a une connexion pour faire avec nos codes civils et ça travaille que nous, comme membres de l'Assemblée nationale, nous pouvons faire. So, good afternoon, panelists, and good afternoon, everyone. We will continue our work with Book 3, and I will allow Honorable George to give us a brief, and then Professor Angelo will also guide us where the law wants to take us, and then we will open the floor for discussions and debate. Honorable George. Thank you, Mr. Speaker. Bon après-midi, tout bon membre et tout le monde qui peut écouter nous dans la cour. Pareil, Mr. Chair, professeur, dans une minute, il va amener nous le bon endroit. Qui peut gagner sens dans sa troisième livre. Pareil, les autres connaissent, Code civil, il y en a trois livres. Il y en a trois sections qui nous appellent les trois livres. Là, nous parlons le troisième, nous finissons faire ça des premiers. Et sa troisième livre, il y en a pour faire avec contrat, l'évidence, délit, ça qu'il nous appelle délict, qui nous pour voir tout à l'heure. Comment est l'introduction? Moi, vas-y, en même temps, nous pouvons commencer l'article 11.1 et moi, va faire un brief APSI, sa section depuis 11.1 jusqu'à 1370. Après, le professeur va emmener nous dans deux endroits ou trois endroits dans sa morceau qui peut gagner à amender. Mais juste pour vous gagner un overview sa section. 11.1, il commence avec contrat. Et 1108, vous allez voir, pour un contrat qui est établi, c'est celle, là, il y a quatre conditions qu'il faudrait y en avoir. Consentement, capacité, un objet, avec, faut des pailles contre l'ordre public, public policy. Ça, c'est grosso modo, quelque chose qui est nécessaire en an d'un contrat. Un contrat, là, nous ne faisons pas. Si vous êtes à l'eau 1134, vous allez voir les moments qui vous fait un contrat, et la loi privée entre sa dédimon. Vous la loi publique qui pour toute population en entier, mais vous la loi privée. Contracts lawfully concluded have the force of law for those who have entered into them. Et pareil, nous avons dit tout à l'heure, vous n'êtes pas capable de révoquer 1134D. Sans tous les côtés, ils tombent d'accord et les autres gagnent, performent en bonne foi. Dans nous, la loi, qui n'est pas pareil la loi anglaise, dans 1134, nous avons qu'il y a un contrat, il passe 10, son contenu qui est important, mais il y a aussi toutes bonnes conséquences qui l'équité pratique. Et que la loi est capable d'amener dans sa contrat pour capable définir les proprement. Et les total 1153, vous allez voir qu'il a un contrat cassé, et qui un paiement pas gagné fait à temps l'intérêt. Il vient sa compensation qui capable gagner par sa dimoun qui innocent.
Mopé Road, l'article 1156, il y a un article très important d'un contrat. Il dit un contrat est interprété d'après l'intention commune, sa bonne partie à sa contrat. Alors, vous avez besoin de l'intention. Vous ne pouvez pas regarder si son bonne parole, mais vous avez besoin de l'intention, sa bonne, sa qui sa dédié mon ou bien sa plaisir du monde qui n'entrait dans sa contrat. Il y a envie qui sa contrat est dit. À partir 1168, il y en a la liste de différentes qualités de contrat. Nous pas besoin d'attendre nous là. Et en allant même, on arrive en 1234, qui montrait qu'il y a un contrat, il arrive à son la fin, soit il a une liste, paiement, novation, ça veut dire entrer dans un nouveau contrat, un release, un set-off, mon doit où, doit moi, alors nous tombons d'accord, un merger, ça quelque chose qui gagne merge, ou bien ça quelque chose qui, à la base, sa contrat, il gagne perdu, ou lui, un contrat, vous lui avez la case est brûlée, on peut se contrat, il arrive à la fin, etc. Ça c'est bon quelque chose qui arrive, qui amène un contrat à son la fin. Et après ça, ça bon l'article qui suit, il donne un peu plus l'information, le chacun sa bonne possibilité. Nous sommes le 1315, qui est important. 1315, sur qui manière ou prouve un contrat. Ça, et principe général dans la loi, c'est ça un qui demande quelque chose, il besoin prouver. Si moi, mon petit, ou casse mon contrat, la preuve, il tombe le moins pour moi prouver ça. Mais, 1315, tout, il dit que si moi, mon petit, ou doit moi, mon besoin prouver comme quoi ou doit moi, mais si ou dit qu'il finit paiement, la preuve, il tombe le ou pour prouver qu'on paye moi, pas le moi pour prouver qu'on ne paye moi. Et ça, il est très important à cause, moi, je ne peux pas prouver négatif, je ne peux pas prouver qu'on ne peut pas payer. Mais ou, si on paye moi, il est facile pour prouver, on montre un chèque, ou bien un récit, ou bien un transfert bancaire, etc. Alors, ça, c'est un article qui est important. 1321, nous pourrions tourner Lola Thaler, back letters, contre lettres, professeur, promène-nous Lola. Après, nous avons l'article qui en a pour faire avec l'évidence. 1341, aussi, professeur, promène-nous là, Thaler, ça c'est dès l'endroit où nous pouvons faire un changement. Après, nous avons 1350 en montant, présomption, qui manière pour présumer quelque chose qui existait. Moi, je vais arrêter là, 1370, à cause de là, nous pouvons aller loin. Un nouveau catégorie l'obligation qui n'est capable de regarder plus tard. Mais ça, bon l'article qui m'ont fait montrer, c'est bon l'article qu'il y en a pour faire avec contrat et la façon pour prouver un contrat. Merci, Mr. Chair. Merci, Honorable George. Can I have that professor now to direct this way where the changes are? Yes. Please, professor. Thank you. Members, as Honorable George has mentioned, there are two of the provisions that he identified just now, which are probably worth bringing to your attention because there is change to the existing law. In one case, a corrective, where the courts have struggled to understand the present law, that is Article 1321, the back letters, the contr lets, and the other is Article 1341, which is the requirement for documentary evidence. If we consider first Article 1321, the situation addressed here is that where there is
a contract, and that's called the ostensible transaction, which, for instance, transfers a piece of land from one person to the other. But what that document shows is not what the parties have agreed. They have another contract which says that transaction is a facade, and when the goal has been achieved, you will return the property to me, for instance. That is the contract. The present law has a number of difficulties. One of them is that in respect of land, it says that the contract has no effect unless it is registered, which if it is for land. That appears to be the general law. Now, the courts have struggled with that because often these contract are used to disguise a transaction or commit a fraud. And where they have found evidence of bad faith, they have tried to interpret that provision in a way that protected the non-fraudulent party. The solution that the committee has proposed in Article 1321 is first that all contract must be in writing. The current litigation has often involved difficulties about proof. One party says, well, there's the transaction, and the property is now mine. And the other says, oh, yes, but we agreed that you would transfer it afterwards. So there have been difficulties with proof. The law makes very clear that the contract must be in writing. It also makes clear what was also clear in the present law, that that second transaction is only valid between those parties. It doesn't affect people who are not aware of it. So we have removed the registration requirement on the basis that it was unnecessary and difficult to understand. It has also been made clear that if the beneficiary of the ostensible transaction finds out about the contract, they may enforce it if it is to their advantage. And that was another issue at times in the court. You couldn't hold the counter letter against that party, but could the other party take advantage if they knew? So that is a shift, and of course it affects property substantially, because usually these contract involve property transactions. So at least for the point of information, I think it's important that the members are aware of this change. The difficulties that the courts and the practitioners have experienced, I think it's better that the local practitioners explain that. But there is a significant clarification and simplification of the law, of the present law, represented now by the draft provision. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Professor. So we open the floor now. Any questions on contracts, agreements? Yes, Honorable William. Yeah.
Mas eu tenho trabalho, tem que trabalhar para ver que tipo. Aí nesse seria o registro, a possibilidade de ter mais trabalho. Esse vai e bom que ganha o registro. Agora, nesse que vem acontecer, a mulher lá. Plusieurs problèmes qui aujourd'hui arrivent dans la société côte. Malgré ce contrat, justement, les arrivent l'eau base en cours. Il y en a certainement une difficulté. Je connais qu'à côté, il y en a pour faire avec la terre. Malgré ce bon document, mais vous voyez, vous dites, ça dit mon. Malgré ce, il y en a un document qui montre qui est vrai, il y en a ça droit. Mais il y en a certaines difficultés. Est-ce qu'il mérite d'enregistrer sa contrat? Merci. Pourquoi il y a un contrat? Et il y en a un contrat qui est valable vis-à-vis public, vis-à-vis d'une tierce personne. Ils ont besoin d'enregistrer. Sur l'enregistrement, il y a ce qui nous dit une condition solennelle, une condition de validité dans certains sens. Pour les banques, bonne fête, par exemple. Mais pas tout contrat que les gens ont. Donne exemple. Par exemple, la vente de la terre. Pour vous, pour la vente en valeur, vous devez y enregistrer. Et la même là, vous payez registration fee, la même là, vous payez stamp duty, pour enregistrer ça document. Mais il y en a aussi un document qui est capable, où l'obligation est simplement pour enregistrer les autres et stamp les autres. Mais il ne peut pas être publié. Et après, il y en a un agrément qui n'a pas besoin d'enregistrer. Il y en a un valeur. Mais il arrive un moment où si vous les produits, ce document en cours, en bas de stamp duty, sous un stamp, ou capable, la cour a ordonné que vous stampez l'agrément avant qu'il y ait ou qu'il y ait produit en cours. Mais un contrat, si son condition pour lui valable, l'enregistrement n'est pas une condition, then ou l'agrément est pour valable, il peut bindre sa partie pour entrer dans sa contrat. Qui, pourquoi, professeur, peut dire, c'est que, when it comes to contrat, il y a un contrat de simulation. Comme si l'aussi face, il dit, mon père vend nous ça 50 roupies. Mais pas derrière, il y a l'autre contrat. Un contrat similé. Qui dit, mon vend nous ça, mon loué ou ça, moi. Pour tant l'argent, mais éventuellement, si vous finissez payer moi, il va venir la vente et sans rien à la tranquillité. Un petit peu comme ça. So, la loi active, il ne pas permet tout faire ça dans certaines circonstances. Par exemple, il parlait sur 6 000 ou prix à cause d'une raison stamp duty, il y a des castés, quelque chose. Après, il y en a un chou. Par exemple, si on peut faire quelque chose en relation avec la terre, je parle, la loi ne pas permet tout, on a un contrat de simulation, à moins qu'on enregistre ça. À cause, même si on tire, on a aussi réalisé pour dire stamp duty. Il y a une façon que le gouvernement il gagne beaucoup d'argent. So, si vous venez nous dire avec moi comme ça, mon vend nous ça, mais seulement pour tel prix ou bien certaines conditions, mais seulement, il y a un autre contrat qui is the real contract between the parties. Parfois, il y a un certain confusion, mais qui sa provision, sa l'amendement, c'est qu'il peut buy une bonne partie. Mais nous, la loi actuelle, is that it binds the parties. But however, là, il y a une relation avec la terre, il y a une relation pour the real consideration, then lucky, he do it fraudulent. Comme si vous faites un document, quand vous dites, il s'en roupie, mais en effet, il 400 000 roupies, il vous dit, this is fraudulent. Et l'autre, il faut dire vous avez besoin d'enregistrer pour ça contrat similé, gagne valeur légale, faudrait enregistrer lui aussi. Dans le stamp duty commissioner, lui par exemple, il a capable de voir des documents et il a dit mais non, mais this is a real document. Alors, pour ça, le stamp duty basé l'eau ou real document.
Parce que ça dit tout le temps, dit, mon qui veut marcher avec un autre contrat, de son valise, et si ça contrat, là, il fait des plaisirs. Mais il y a quelque chose de légal, mais dans le nouveau contexte money laundering, il raise a lot of quelque chose. Ok. Comment ça? Merci, Mr. Chair. Je suis content de tout ça qui est l'attorney général. Je dis, où tu vas croire qu'il y a un backletter, un contrôlette, pas pour légal. À cause, il peut, en effet, il y a une simulation, il peut dire que ce document qu'on fait, il y a fraude. Mais son vrai document, c'est ça. Mais il n'y a pas rien qui empêche ça. Par exemple, je donne un exemple. Si moi, j'ai envie de m'acheter un lacaz, à cause de mon petit madame à côté, mon pas envie mon madame il connaît. Mon fait la vente, mon mettre l'honorable Evan William, mon dit ça, l'équipe de propriétaire officiellement nous paye stamp duty de quelque chose normal, mais nous fait un document autour ou acknowledge qui en effet malgré qu'il s'aille le ou non, ça la terre pas pour vous, ça la case pas pour vous mais pour moi. Et tout à fait normal, illégal, n'a pas rien qui en paye. Moralement. Dans ça l'exemple, il y a un problème. Mais légalement, il n'y a qu'un peu souffert. C'est ça un backletter. Quand tu peux dire qu'il y a un document, malgré qu'il dit X, il pas, et il y a un bind nous deux. Ou il y a un contrat entre nous deux qui bind nous. Il vient par exemple, il dit, allez, il takes the force of law. Un exemple qui sortit d'un case en cours, c'est un la case en l'air anglaise qui gagne qui pour un propriétaire qui pour un allemand de bon l'état en compulsory acquisition en 1982 il perd qu'ils ont pour prendre sur la terre. Alors ça qu'il fait, il transfère ça à un ami, c'est ses lois, il transférait stamp duty payé tout quelque chose de normal, mais back letter tu dis moi qui propriétaire case ou pays tenir ça pour moi pour pisser gagne pas. Ça c'est bon l'exemple, bon backletters. Pareil, attorney general, il dit, celle quelque chose qu'on n'a pas droit à faire, c'est dire, avec ou vendre la terre, moi, on paye 20 millions roupies, mais sûrement, en effet, nous déclarons pour 50 000 roupies pour moi pas payer stamp duty. Ça, on n'a pas droit à faire à cause, il y a le compte l'ordre public. Deuxièmement, pour aussi un petit peu agrandir, réponse, là, est-ce qu'il y a une obligation pour enregistrer un document? Attorney général, il en a parfaitement raison. Certains, oui, les autres, non. Et il n'y a pas rien qui dit qu'un document enregistré, il y en a plus valeur qu'il y en a qui n'est pas enregistré. Si nous faisons un lease agreement, par exemple, pour la case, ou bien pour un shop, la boutique, ou pas besoin d'enregistrer, le moment qu'on signe, il valable et il prend force la loi. C'est quelque chose qui l'enregistrement il fait, si vous envie faire lui ou faire lui, si vous pas envie ou pas faire lui, mais c'est l'avantage là où faire lui, c'est qu'il y en a ce qu'on appelle date certaine. Le moment qu'il enregistre un document, on connaît qu'à sa jour, ce document existait. Alors demain, personne n'a pas dit, ah, ça vous fait que faire. Vous faites faire ça hier à cause point manœuvre, mais at least là où on a enregistré lui, on connaît qu'à sa jour, qu'il a enregistré ce document en existence. Je crois qu'un bon conseil est de mon business à quelque chose que on a voulu à monsieur de mentionner quoi, c'est que si moi non ça l'a vraiment avec monsieur Georges, par exemple si vous allez vous prendre à la terre qui vous fait hold let's say in trust ou allez vous prendre avec honorable Gill, par exemple qui recourt monsieur Georges en an contre honorable Gill. Mais parce que la loi est comme ça, ça est pour only between the contracting parties. Où on va répondre à une question, M. Georges, vous dites, salataire, pas si pour où? Ou pas si pour vendre salataire? Ou on va payer les dommages et intérêts? Mais honorable Gill, il a une prothèse, il a cause de l'IPA, il pas parti pour backletter. Voilà. Il pas parti pour backletter, il a cité salataire comme un purchaser in good faith for value. Equities darling. Exact. Parce que, à cause de ça qu'il dit, c'est ça qu'il appelle dans la loi opposabilité au tiers. Pour un third party capable
cognizance of ou transaction, vous voulez publier, vous voulez soit ou transcrire, soit ou enregistrer, et là même là qui on a besoin de dire, là où on a la liste qu'on fait, si vous enregistrez sa liste, in between, ou avec ou landlord, si vous publiez ou enregistrez, vous gagnez une date certaine, mais en même temps, vous gagnez. Il bind the third parties, when this person, when the public, il connaît pour dire, or he deemed to know, because this is why you're not resistant, to give notice to the world. Thank you, Eji. Honorable Kalawan. Merci, Chairman. Chairman, il y a des points de faire ça. Et puis, bon, il mentionne qui, en termes stamp duty, ainsi de suite, là où il y a un problème, comme si vous avez enregistré son valet. Mais il y a une bonne situation. Quelquefois, un étranger qui n'a pas sanction pour lui acheter la terre, il achète la terre, il met l'eau en cesse-loi. Dans un cas comme ça, est-ce qu'il ça contre l'être? Il n'est pas vin illégal dans lui-même? Et qui, au fait, sa contre-lettre, il n'a pas aucune valeur. Parce que sa bougue, sa étranger n'a pas droit en an impropriété. Il compte l'ordre public. Il compte l'ordre public. Alors, à cause du compte l'ordre public, parce que, Immovable Property Transfer Restrictions Act, il dit beaucoup, m'a dit, elle non, c'est ses lois, pas capable d'un ultimate control or ownership d'un bien immobilier. Ok, so, ça y vient. Une situation qui n'est pas pour gagner. Il n'est pas pour capable de faire sa contrat, cause, il n'est pas pour un contrat, cause, il peut une force sa contrat, ça le dit, monde peut dire, mais ce n'est pas un contrat, ça. À cause, il manque un élément, it's against public policy. Mais, ok. Mais, ça, élément contre l'être, de la façon dont il explique, là, est-ce qu'il nous pas payer pour promote dans un certain sens, c'est quelque chose moralement mal. Moralement mal. Parce qu'il nous connaît qui peut dire, I mean, et ça, il est capable d'avoir une corruption. Il est capable d'avoir une corruption dans le gouvernement. Well, ou bien parmi les officiers dans le gouvernement. Quand un propriété, il a nom Pierre-Paul. À cause Pierre-Paul, peut-être il y a un autre du monde qui a une position. Nous prenons la terre. Ok, un ministre de la terre, lui, il a une position clé pour être capable de transférer un mot sur la terre gouvernement. So, il met ça au Pierre-Paul, mais seulement après ça, il y en a une lettre qui dit. Ça la terre, au fait, pas pour Pierre-Paul, mais pour sa ministre. Et tant qu'il tout quelque chose, il y a OK, après ça, arrive un certain temps, dis, spécialement si Pierre-Paul y en a 90 ans, son lendemain, il s'en va et il vient de Luxembourg. Donc, mon père fait sortir ça point. Pour nous regarder, est-ce que mon mazinet y a un principe légal universel, mais seulement principe légal universel, si affecte nous, et si nous là nous dans sa position, quand on appelle la guerre contre sa bonne qualité corruption qui est capable d'arriver, est-ce que nous devons promouvoir ces affaires contre l'être, ou bien est-ce que nous devons dire ces affaires contre l'être? On nous pose li à terre à cause il vin un problème pour nous. Il vin quelque chose qui capable encourage corruption et alors anything qui capable encourage corruption on nous met li à terre. Mon pays médecin et mon senti vraiment fort dans sa bonne situation à cause nous en a bon l'exemple. Nous avons un exemple concret, spécialement nos bonnes affaires de la terre qui sont arrivées. Et mon père médecin,
Paré ou non, Abjouazin dit bon matin qu'il était pas arrivé là-bas en dedans. Il pour la guerre contre. Contre section ici là-bas. Mon capable, nous peut cause là et après ça. Le temps arrive là-bas, bah nous dit ça fait contre l'être, nous mettons à terre. Merci beaucoup. Merci Onoab. Je vais passer la parole avec Onoab Georges. Merci, Mr. Chair. Dans le monde parfait, l'honorable leader de l'opposition, son proposition, tu peux m'asseoir très bien. Mais disons-nous tirer contre l'aide complètement. Il n'y a pas pour sa même affaire arriver. Ils disent qu'ils ne sont pas pour faire une lettre, mais ils sont tomber d'accord verbalement. Moi qui propriétaire de la terre, il n'y a pas pour m'empêcher. Or, une affaire ça qui est arrivé couramment. Si nous n'avons pas contre l'aide, ce qui peut arriver, c'est qu'on a envie de casser sa propriété, ou acheter l'île ou non, elle l'accompagne. Dans ça, l'accompagne, propriété pour moi. Mais on donne 50% chez l'honorable Mondon, 50% l'honorable Aro, et les autres dans moins blank share transfer, qui m'ont cassé la ville et mon vie, comme quoi sa propriété est pour moi. Même affaire. Offshore, on n'a pas oublié que beaucoup de la compagnie offshore qui gagne un résistor ici, c'est celle. C'est pour Bandi Mouna, c'était la terre, ou bien la case, somewhere else, et qui pour taxe, là-bas, pas qu'on ait qui s'en a la terre, et les autres non, ou bien les autres madame, pas qu'on ait qui s'en a la terre, et les autres non, ou bien les autres business partner, pas qu'on ait la terre, et les autres non. Alors, tout le temps, pendant impossibilité, l'honorable leader de l'opposition, et on comprend où l'inquiétude parfaitement, mais ce n'est pas contre l'être qui pour ouvrir ça la porte. Contre l'aide, il existe une bonne façon pour un monde prouver qu'il y en a une substitution qui est faite dans quelque chose. Mais il y en a, tant qu'il y en a du monde qui a envie de faire une action corruption, ou bien qui a envie de casser un certain quelque chose, autant la loi que vous mettez, ou pas pour vraiment empêcher ça. Même avec Immovable Property Transfer Restriction Act, avec toutes les restrictions qu'il y en a, il y a still un autre monde qui peut faire lui, et puis still peut faire contre l'être. Et là, devant la Cour suprême, ça s'émène, il y en a un cas, côte, exactement ça n'arrivait, et ça, du monde qui bénéficie l'honneur à la terre, et ça est enseigné, il emmène ça, c'est ses lois, qui légal owner sur la terre en cours, et clairement il dit ça agrément du compte l'ordre public. Ça agrément du compte l'ordre public, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un valide agrément. Mais je vais rendre l'argent qui m'ont payé. Et quel bien? Je ne sais pas pourquoi. Ça se figure. Peut-être 10 parce que nous ne causons pas ça fait moralement pas bon. Mais est-ce qu'ils ont donné nous un exemple un côté éthique moralement bon? Je suis content de gagner l'exemple, s'il vous plaît. Je vais donner un exemple. Time out. Je vais donner un exemple. Dans la partie commerciale, c'est-à-dire, du coup, pour résister, tout le monde connaît qu'il fait une transaction. C'est-à-dire, il fait une transaction qui est du monde illégal. En même temps, il y a une deuxième transaction, si le acheteur c'est pas le visible, il y a une deuxième transaction qui existe pour le déconner. Il n'est pas opposable au rien, les autres qui vont faire pour le sortir, il se connaît. Par exemple, les idées, tout le monde pour résumer. Que l'abattement, l'abattement de profit, c'est peut-être même notre arrangement qui, comme on peut mettre une veste à Nord, vous pouvez donner pas de 100 000, vous pouvez payer taxes, vous pouvez venir. D'accord, c'est tout ce qu'on fait à la loi. Donc, c'est-à-dire, tant qu'il reste dans la légalité, c'est bon. Dans le cas qui vient de vous mentionner, c'est du moins que vous savez, pour les choses, vous contrôlez. Et puis, vous êtes là à deux, c'est comme les étrangers, bien, vous ne devez pas cesser de voir. L'argent, vous dites, c'est la case dans mon nom, mais il y a une conspiracy, c'est un affaire, il y a un bouché de ça. Il y a un aveu de conspiracy, c'est pas si il y a une grosse socade, mais il y a une conspiracy. Oui,
Please, bon, on va retourner sur le cas de la tête et de ce qui est un mais ils volent en prison. Ils peuvent être aveugles, un admission, avec un spirituel. Ils agrient, ils vont agrir, ils ne sont plus comme eux, ils sont bon, moi, quand on trouve ça du monde qui va assez bête pour une clé, il y a un patron, un contrôlé, qui vous peut aider à leur prison. Ça, c'est le risque. Ça, il est dans là, capable de prison. Oui. Oui, c'est vrai qu'il va voir là dans la prison, il est à son casse. Quand vous dites que c'est gros, il y a un danti là-bas. Oui, il est à son casse. Ça avance. Mais, c'est-à-dire, c'est pas la contrôler qui vous promouvoir ou qui vous permet la corruption. C'est juste la contrôler qui vous toujours qui vous est le reste que vous connaissez dans la nature de la relation. Si vous m'avez regardé, c'est ça, ça devient une menace. Si ce purpose est illégal, les abonnés pour problème peuvent poser en même temps. Parce qu'elles vont faire des sites, ou se causent des sites. Sinon, ils vont vous battre. C'est juste qu'ils gardent rien sur casse parce qu'ils viennent en visite sans une cause, sans raison valable, c'est tout. Mais ne faites pas le disclose, ça, des autres, ils ont des cases pour criminal investigation, ils veulent une conviction. Parce que vous permettre. Criminal offense. Dans la loi ici, il y a un conspiracy. Est-ce que c'est un conspiracy un crime tout ça? Et je l'ai à la prison. Professeur, you want to add something? I'm trying to think of the positive example and the English system does not admit these, it doesn't have them, but it does have the trust, which is a way of transferring property without losing the benefit. So you have a trustee and a beneficiary. And in a positive sense, the contralet can achieve the same purpose. And AG or Honourable George will be able to say if this is a true example, but that there have, I'm sure, been cases where a parent or a relative, so we're not dealing always with foreigners seeking to avoid the land owning restrictions, but money is provided, and often just with an oral arrangement, to enable, for instance, a child to buy a house. The agreement is that in time the money will be paid back. But after time, the child says, it's my house, I'm registered. Either deny the gift or the money or say it was a gift. Now, if you prove the contralet, then of course you'd be able to say, well, no, it was a loan. But the there are two aspects. One, can you prove that second agreement? And the other is, what is the effect of the final transaction? But I think a positive sense is the facilitation of activity that others may not be able to do because of perhaps lack of capacity, a lack of ability to raise a mortgage, whatever, and this assists. And I'm not sure, AG, whether that's a positive example or a true example, but I think it is. No, I think there's still a bit of confusion. But if I may, Mr. Chairman, just to put another scenario before the panelists, isn't the contre-lettre the main route that criminals use to hide their wealth? Or when somebody knows that he is about to be prosecuted for
for whatever, or even in a civil case, isn't the controlette the main tool that is used and to raise debt? Yeah. I would say yes and no. There are many, and just like the Honorable George said, there are many, many mechanisms or framework that can be used for that. But in fact, when we were asking what is a good example, I was thinking to some extent about on some of the transactions that are done that the parties does not do. Does not register the contralet. I'll give you one example. In many instances, you have a parent. He wants to give a child permission to build on a property. But the bank says, we're not going to accept the permission to build. You, the land has to be in the name of your child. And poor parent says, okay, I'll transfer the land to my child. Child builds, got the loan, etc., etc. And then when he finishes paying the loan, the parent goes to him and says, do you remember, this was an agreement between us. Why don't you now transfer the land back to me? And he said, no. This is a property that is for me. So if there was a contrelet, because now even though there wasn't a contrelet, because they did not register that contrelet, or within that period of 6 months that is required under the provision of the law, that parent loses his land forever. So the contrelet has its positive. And for example, when professor says that trust, in England they have trust. We don't have trust. And contrelet, to some extent, can be used as like use of fraud, like as some form of a trust. You see, when we look at the proposal, we had a provision that we rarely use, and. In fact, when I was signing this document, I thought that it was a little too late for me to come back on that. But we have what we call fiduciary fund. And fiduciary fund is a trust that we sometimes doesn't realize exists under the law. We tend to say the law of trust, the laws of Seychelles, because it's based on French law, does not accept trust. But Article 824 says the property can be held by the fiduciary, and then it allows a trust to some extent to be to hold for a purpose. To hold for a purpose. I have a child, and I give you money, and I said, okay, you hold this money, you administer the money, and you use the money for my child. Because I have a terminal disease, for example. 836. Yes. Yes, 836 in the bill, at least. That's right. And that has been retained. Yes, that's right. So this is, to some extent, you can have a little bit like a contrelet. To that extent. It's a little bit like a trust. Or if you don't want to go on this fiduciary fund, you can simply say, I'll give you money. That money is in your bank account, but you will use the money for the purpose of my child or my legitimate child that I don't want my wife to know. Things like that. It is not immoral anymore. It would have been immoral in pre-1976, when we did not recognize an adulterous child. Now we want to do away with all the term adulterous child, incestuous child, etc., etc. So now a child is a child, and therefore it's no longer against morality. Mm-hmm. Thank you. Final little point. We've restricted the contrelet here to one in writing. 1321 says clearly it must be in writing. In France, a contrelet, despite its word, despite its name, contrelet, can be oral. You can have an oral contrelet, which you have to prove. Same thing, you prove that basically the sale was not a sale,
but it was a loan, it was a gift, or whatever, and that the money, or the gift was not a gift, it was a sale, and that the money had to. But we've decided that would be too permissive, so we've restricted it a bit. Merci, Honorable George. Honorable Tutti. Il y en a un FM et l'organisation il a signé un contrat avec un groupe entertainers. Présent, je suis un entertainers là. Je suis sorti dans différents groupes à cause présent une grâce à contrat un an pour devenir un house band. Sous autre une qui sont différents de travail, sous une ville là. Après qu'ils ont une performe pour 3 mois. Verbalement, on a une vie comme ça, vous avez besoin de 3 fois. Vous avez besoin lundi, ce que vendredi, lundi, ce que lundi, présent pour vous 3 fois. Vous avez besoin de 3 fois parce que vous avez besoin de manger, ça c'est le boulot. Après 6 mois, vous avez fait arrêter à cause. On a dit qu'il n'y a pas de OK, il n'y a pas de faillite. Par exemple, pas de aucun nom, mais c'est moi qui ai un autre contrat. Pareil, nous avons besoin de demander si vous avez enregistré, si vous n'avez pas connu. C'est moi qui ai un contrat qui a signé entre vous avec les honneurs. Et la clarté pour ce artiste. Comme chose? Ben, faillite, il y a quelque chose qui. Ou pas capable, ou pas capable avoid. Si mon poète, l'argent est du monde, mon poète lit 100 000 roupies, et il se peut rendre moi dans 6 mois, et il faillite dans 3 mois. Goodbye, so long, mon père dit mon l'argent. Alors ça, nous pas capable faire, non, mais dans sa délai, les autres instances, si vous avez un contrat qui dit, qui provide, qui vous payez 7 jours par semaine, c'est capable en force. À cause, là où on a un contrat et qu'il y en a un sens, on a un contrat, un breach par un entre sa dé, côté dans sa carrière, non, ou c'est 7 jours, on doit se donner une breach, une fait ou c'est 3 jours. On a deux options. Ça qu'on appelle specific performance ou bien rescission. Soit vous sortez dans un contrat, vous dites, OK, moi, on n'est plus intéressé, rescission. Soit specific performance ou forcely pay you. Pour spécifiquement performer ça qu'ils ont une tombe d'accord, c'est-à-dire 7 jours. Mais ça, naturellement, ils ont une devoir de faire aller à ce moment. Si ils ont pas de faire aller, ils ont une pour bonne raison qui ont dit ils ont si besoin manger, ils ont une préférée. Alors ils ont une paix, ils ont une paix, ils ont sens. Merci, honorable Sparrow. Si ça dit monde qui peut faire l'assassinat, comme c'est Georges, mais devant nous, si ça dit monde qui peut faire sa contrat avec, peut faire ça la vente, ou ça l'autre dit monde pour son galant, par exemple, au lieu de faire un backlette pour passer ça là, comme si pour enregistrer ça à la terre, ou à dit monde, ou son ami pour son galant, après faire sa backlette derrière, si ça dit monde, il fait un, il met un, il fait un. Il quitte la jouissance. Est-ce qu'il demain, il est capable de back pour les réclames à la terre, il prend même droit à la terre? Laisse dire, il transfère ça à la terre ou son ami, pour son gars, là, par exemple, dans nos histoires. Par exemple, il transfère ça à la terre, il quitte la jouissance sur sa bout de la terre qui peut transférer. Il quitte la jouissance pour lui. Quel sens demain pour lui capable de réclamer ça à la terre? Est-ce qu'il prend même droit avec ça, du monde ou bien? Oui, à cause. Si, on veut dire, ça dit monde qui a réclamé ça. C'est ça dit monde qui fait sa backletter avec ça l'autre dit monde. Il n'a pas fait sa backletter, lui. Mais il dit ça la jouissance. Non, don... si il n'a pas backletter, il n'a pas dit la jouissance. Ben, sa propriété, il pousse ça dit monde qui a sa, qui appelle sa nue propriété ou bien sa belle ou de chiffre. Mais dans ça la jouissance, il pousse ça dit monde qui. Ça l'autre dit monde, c'est sa. Sa concubine. Sa concubine. Sa partenaire. Okay? Mais lié avec son jouissance. Lié avec sa partenaire, pas dans son jouissance. Son jouissance, il peut seulement l'escalier est bon. Si il peut, son diration, il escalier est bon. La jouissance, pas sa partenaire. Moi qui peux transférer ça à la terre, l'eau sa galant. Mon quitte, mon la jouissance, moi. Est-ce qu'il est même pour gagner même droit avec sa galant? Ou comment quoi, Moi, comment ça dit, mon qui transfère ça à la terre là-bas?
Non, si... Non, mais il y a un pot pour nous comprendre dans 10 moules là. Bon? Ça veut dire, pendant, est-ce qu'il y a un 3-10 moules ou bien un 2-10 moules? 2-10 moules. Oui, je vais expliquer. M. Jose, il a cité, il a gardé. À présent... Non, pour une mettre ça là-bas. Les gens qui peuvent demander, les temps, ils quittent la jouissance pour lui. Comme si peut rôder si il me s'ose pour capable de dire non, il pour jouissance. Non, la jouissance, c'est ça qui veut dire. La jouissance, ils disent, ils mourent avec la mort. Qui on aurait pas on peut dire c'est qui. Ça la terre, il a son nom. Let's say. Et la toi dit mon invol. Toi dit mon, parce que j'explique. Ça c'est là yo qui me saison explique nous pour dire il y a son petit galant, il faut donner sa galant et bout de la terre. Mais seulement pour raison qui sont madame pas pour connaître, il faut mettre ça la terre honorable Adélaïde. Raison lui. OK, honorable Adélaïde lui, ça la terre il au lit. La terre en pas principe pour sa galant, il faut Jenny. Let's dire. Mais est-ce que présent lui honorable Georges il est quitte qui sont la jouissance pour lui. Il y en a trois dix mouns n'a pas joué. Malgré ça, la terre, l'honorable Adélaïde, mais lui, il quitte la jouissance. Ok? Demain, il quitte Jenny avec sa gare dans lui. Présent, il est retourné avec l'homme sur le bout de la terre. Est-ce qu'il prend le même droit avec l'honorable Adélaïde? Non, dans ce scénario, c'est ça. Qui personne, là, c'est l'honorable Georges. L'honorable Georges, lui, il a ce bout de la terre. Ça la terre, il met le nom honorable Adélaïde. Mais pour Jenny. Mais seulement il dit honorable Adélaïde, ça la terre, il pas pour où ça? Il pour Jenny. Pour Jenny. Présent, sa contre-lettre. Jenny est parti dans sa contre-lettre. À cause de sa contre-lettre, il y a M. Georges avec honorable Adélaïde. Si demain, honorable Adélaïde et honorable Georges ont décidé, ont dit, on nous prend sa contre-lettre, on nous décide, on nous met là-bas, moment qui t'aime Jenny. Oui. Ok, Jenny n'a pas la jouissance. Lui qui a la jouissance. On aura besoin de quitter la jouissance, on va bout de la terre. Oui. Malgré que la jouissance, mais ni propriété, il aura de la ride. Demain, il s'est paré. Jenny n'est pas parti. Jenny, il prend là, il est honorable de la ride. Mais là, on a un autre là. Là, on a des enfants dehors là. Mama, sorry, on a besoin. Non, qui m'ont fait demander. On comprend ça. Et ça contre l'air, qui m'en a, nous vous décide ça contre l'air. Il n'a pas contre l'air, lui. Il quitte la jouissance. Est-ce que c'est la jouissance qu'il y a? Là, nous pouvons compliquer quelque chose à cause de nous faire cause contre l'air. Mais seulement, si vous pouvez dire, si nous faisons cause la jouissance, et l'autre affaire complètement différente, la question c'est lequel qui a la jouissance. Si Jenny, qui a honorable. L'étude dit qu'on a la jouissance. Sans la jouissance, il faut continuer à jouir jusqu'à l'air est mort. Si M. Georges qu'on a la jouissance, M. Georges prenons la jouissance jusqu'à l'air est mort. Mais honorable de l'étude dit lui, il n'a pas aucun an rien pour faire avec sa propriété. Peut-être qu'il peut jouir sa propriété. Comment ils ont donné la propriété pour lui rester là-dedans, mais ils sont capables de dire en Italie. Mais les présents, honorable Georges, il est capable. Qui de voir qu'il y en a? Si il y en a un bac-lettre. Si il y en a un bac-lettre. Et quand il est. Si il n'est pas bac-lettre, il perd. Si il n'est pas bac-lettre, tu dis. Il est d'accord pour donner sur la terre bas. Ok. Mais là, il est besoin de réveiller ce qu'il dit. All together again. Oui, oui. Ok. Et qu'a vous raison? On aura un bon coup. Et dis-le, il passe. On aura un bon coup. La contrôlée. Pas nécessairement utiliser pour le bien. Vous avez un DBI immobilier. Vous avez un DBI immobilier là-dedans, vous pouvez aller ou un 4 ou un 4 à bord pour vous faire une contrôlée. Ou vous pouvez dire que vous pouvez payer. Moi, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas payer. Je vais payer moi. Je veux que vous servez à revenir ça, là. Au but de nos enfants, au plein. Tant qu'ils te payent ça, pourquoi vous pouvez battre le coup de plein? Je veux que vous faire ça avec les battements. Ça aussi, il n'y a pas assez. Ok. Ouais. Je veux dire, il est possible que c'est venu comme ça fait un autre, parce que vous n'avez pas envie de connaître, vous connaissez la mobilité de l'action. Ça aussi possible. Même aujourd'hui, c'est plus facile, on va dire, trust.
Je peux vous dire, je peux vous dire, je peux vous dire. Donc, toujours le safeguard, c'est qu'il a contrôlé, il n'est pas capable de prendre la loi. Il n'est pas capable de prendre la loi. Et si il est prendre la loi, il va avoir un possible. Et puis, pas de problème pénal. Comme tu le sais, je ne sens pas plus, je ne sens pas plus. Il y a un argument cassé de ça. À cause qu'il a cassé de ça dans la loi. Vous pensez, c'est comme un caquet, non hein? C'est quelqu'un qui a mis une bonne chose, je dis, ben, il n'y a pas moi. Je dis, mais après, il ne faut pas les comme ça, on vous prend, on considère le type. C'est au fond, il ne s'agit gratuitement de nous. Mais il fait compter une bonne chose parce que vous. Mais, par exemple, c'est une bonne chose d'or. Il dit, moi, je vous en prends, parce que ça vous dégagerait pour moi 1 million. Donc, pour nous, voilà, il y a une autre idée. C'est pas bizarre, vous prenez. Mais il y a un problème fond dans la loi parce qu'il s'appelle en fait une bonne réserve. Mais les autres faits, c'est. Il y a un problème de source, mais. Attends, attends. On aura un bout de coq. Il est défense pour cause of action pour capable mais au besoin vient de rappeler de l'état si ou pas vient de rappeler de l'état ou clairement prescrit ou bien si ou besoin vient de rappeler de l'état pour tout découvrir tiens duress besoin sur une signe il s'ajoute qu'une signe sa cause of action sont prescriptive period, ils commencent à run. Ils me comprennent qu'il y en a, y a oui. Certains qui ont dit oui, moi tu fais ça en résultat du reste, mais ils ne prennent pas aucune action pour lui annuler sa transaction. Là, il faut une annulation, il faut annuler sa transaction à cause consentement, il incondition un contrat pour un contrat valable. Et s'il y en a un dol, ben. Si je regarde l'article NN08, pareil, mon petit dit à l'air, quatre conditions pour un contrat. Première condition, c'est consentement. Mais là, nous regardons, il y a plusieurs choses qui font qu'ils prennent dans nos consentements. 1111, mystique. 1112, jurès. 1116 fraud et 1118 lésion qui nous pouvons nous l'attaler dans l'autre contexte. Ça, c'est ça, quatre choses qui fait que nous ne donnons pas consentement, alors ça ne contrat pas valable. Jurassic and Bam, ça va. On aura Ferrari. Je vais demander cette question dans un monde moderne qui nous vit là-dedans. Quand il y a un nouveau phénomène qui peut développer, par exemple, l'as en salle qui peut circuler. Est-ce qu'il n'y a pas de vrai dans la règle qui, au moment qui nous peut moderniser nos codes civils, nous peut rouler pour nous éliminer bonne transaction opaque ou bien secret. Comme si mon sentiment est un peu inconfortable à ce moment, cause, à moins ce qu'ils ont capable de dire, qui est transaction opaque, il pas nécessairement frauduleux, sauf quand il y fraude l'État, il y fraude un parti dans ça, mais qui m'a dit qu'à justifier, ou alors plutôt nous pourrions aller d'autre façon, s'il n'a pas rien mal avec, à cause de ce qu'il n'a pas de vrai de gagner enregistré, sa lettre, sa document, comme si à cause de ce qui devrait rester secret, à cause de là, je donne tout à l'exemple. Moi, à un certain moment dans mon avis, moi, je voulais poursuivre le Friday Center. Et moi, je pensais, où est-ce qu'il m'a capable
si mon fait une transaction qui moi capable porter sa carte sous qui moi non. Alors, on fait mon met sa carte sous dans le au nom un frère, un sœur, un ami qui tout moi. Mais si moi vraiment faire quelque chose qui est illégal, qui moi devrait être payé. Mais mon cassette mon cassette, mon bon revenu. Et pas de être normal. Il pas de être normal que tu monique a dit demain. Moi là pas rien de mon nom. Mon doigt, mais moi pas capable payer à cause mais c'est moi nous qu'on a vous dit. Il y a un bon mécanisme qui permet lui possède bon quelque chose, tu par exemple une baclette, il possède quelque chose, mais seulement en le papier, il n'a pas rien. So, est-ce qu'il nous pas devrait être bouge dans sa direction qu'on nous élimine l'opacité dans mon transaction légale. On aura modèle, on a quelque chose de similaire, le même sujet. Après, pas il y a répondre. Et est-ce qu'aujourd'hui la loi il fait provision, il met l'obligation aux officiers pour déclarer sa contre lettre qui en a, qui est pas dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une obligation pour lui déclarer? Et c'est ça qu'on a un problème, à cause nous pas pour capable de mettre les doigts pour dire à des monde, à cause il y a bien pas déclaré. Oui. À cause les sommes on aura fait pour les rentrer dans le même oui, mon petit discours bon, de sa compte de l'aide à tout point ils ont décidé si légal ou non. Par exemple, le stem tupti, tu as donné l'exemple, un la terre, 1 million ou plus, mais seulement pour son valet, 1 million transaction, mais seulement il déclare les 50 000, alors ça est clairement illégal. Mais fait quoi il déclare, prenez-moi, 700 000 au lieu 1 million. Est-ce qu'il présente là illégal, mais seulement là il y a un contre-lettre? À quel point ils ont décidé complètement illégal ou bien non? Merci. Bon, pour le sa côté, si il compte l'ordre public, et si par exemple, une action y est l'offense pénale, ben, il faut que l'ordre public qui condamne sa action. So, si par exemple, un dimon qui peut être fait, il doit être déclaré. Valet son la terre, les vend, mais lui décide de ne pas déclarer undervalue et ça y est l'offense, d'abord, un contre-lettre comme ça, il n'est pas valable. C'est ça qui, aujourd'hui, nous la loi est pour si on a un contre-lettre qu'on a pour faire avec l'argent, avec la terre, etc., ou besoin de résister, lui. Mais là, il y en a. Ou qu'il y a un autre coup, à cause de Stem Judy Commissioner de Hatta, il pourrait valier ça la terre. Pour lui dire avec vous, comme ça. Et ça, il y a une bonne raison à cause qui certaines transactions transfèrent la terre, il brille, comme il y a l'enregistrement. Simplement, à cause très souvent, Stem Judy Commissioner, là, il y a une transaction, vient devant lui, il y a vous dire, mais ça n'est pas une transaction qui peut montrer une valeur à la terre. So therefore, il délai présent, il envoie en résistant, évaluer, et présent, sa évaluation, il prend le temps. Pour lui, il a dit, mais non, mon moment quoi, pour dire, ça valait, ça sonne, il beaucoup plus bas, qui valait sur la terre, et il croit, pour dire, stem duty, il peut pas payer correctement. Mais il est capable qu'il entre sa bonne partie. J'ai un arrangement quand ça dit qu'on peut payer 50 000 euros pour un bout de la terre. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, il peut dire avec lui qu'on m'a bégué de tout. Stem Duty Purposes, nous pouvons mettre ça à la terre, ça à la vente, prix, valeur, ça à la terre, pour ne pas avoir de problème Stem Duty. Mais seulement, entre nous, on peut vendre ça à la terre plus bas. So, il y en a ça. Mais seulement là, il y en a des choses en anti-money laundering qui kick in. A lot of issues. Et peut-être pour répondre
aux questions. C'est qu'il y a des mécanismes, par exemple, je dis, pour avoid follow la loi. Mais en même temps, il y a des mécanismes aussi qui à la porte des bandits monde pour capable get things right. Par exemple, nous avons ces causes de lésion. Il nous cause là, peut-être plus tard, mais on va pouvoir anticiper ça. Il y a un bel mécanisme. Il y a une réaction qui s'appelle réaction polienne. Il y a ça aussi un mécanisme. À cause, là, par exemple, des gens qui ont fait un concert avec camarades, vous avez defraudé un démon. Donc, ça, le démon, il y a un peu de temps, il y a un nazi en fraude, là, où vous avez defraudé moi. Il y a un cas aussi qui là, on appelle ça une action oblique qui, ou on est au contre l'aide, ou pas lever tout la tête, ou c'est moi qui ai ce moment de window pour contre l'aide. Et moi, par exemple, je suis capable al faire une action, une autre action qui nous capable faire. Pour moi, quand force ou pour une force ou right, pour avoir raison, on parle à prendre raison là-bas pour ça beaucoup. Tout ça le dit monde. Mais c'est moi qui parle de paye, moi, parce que tout le temps, ou patrimoine vide, on n'a pas la raison là-dedans. Mais ou la raison, on a mon don qui paye en ça. Par exemple, on ne peut pas payer moi. Moi, mon cas, présent, on a un honorable mandant qui dit ou paye pour l'argent, monsieur Jean. Non, c'est ça. Parfois, il est capable d'y arriver, soit un contre-l'aide, soit par l'aide, n'a pas un contre-l'aide. Ouais. Mais il est capable qu'il obvious qu'il honorable mandant, il doit honorable Georges. Mais honorable Georges, il décide pour dire mon papa, allez clémo l'argent avec honorable mandant. Mon pour rester appauvri, à cause de parler, l'honorable Ferrari dit mon pas envie expose mon corps. So, moi qui présent, mon inclin contre l'honorable Georges, honorable Georges, il y a un patrimoine qui vide, qui n'a pas dans rien, mais c'est moi qui connais, il y a dans l'argent, mon capable à force pour clémer sa dette, pour mon vrai mon argent. So, il y a un mécanisme légal. Mais moi, pareil, il dit, un contre-net est capable d'exposer, est capable de permettre money laundering, corruption. Quand c'est quelque chose. Quand c'est quelque chose. Et vous êtes capable d'en ça, selon qu'il y a trust en sa vie. Ça va? Merci beaucoup, Monsieur Speaker. Mais juste pour suivre Salani question. Peut-être question que nous t'accordons à répondre, c'est qui. Vu que ça contre l'être, il crée ça sens comme si pour un dimon bypass son bonne obligation, soit stamp duty, soit payer un dimon, soit payer un crédit, etc. Qui façon que nous capables de faire ça pour que justement on puisse ça arriver à cause ou pas ou les qui un dimon il unjustly enrich son corps, ils oublient ça qu'il unjustly enrich au dépend un autre dimon. So, qui m'a nous capables dans la loi? Fame, sir. Merci. Merci, Mr. Chair. Justement, je crois que sa question, il permet moi de rendre sa réponse. Je ne voulais pas nous tomber dans la trappe. Je crois que 1321, il peut ouvrir la porte pour fraude. Ce n'est pas à cause de la loi à l'avortement qui tout dit tout madame enceinte pour avorter. Qui dans conception beaucoup du monde. Ce n'est pas à cause de nous permettre. Gay sex, qui tous hommes pouvaient être gay et tous madame pouvaient être gay. That's not how it works. Et 1321, il a comme une provision default pour quand il servit les et quand il a besoin d'une bonne transaction qui est légale. Si une transaction est illégale, 1321 ne peut pas aider sa illégalité du tout. Il ne peut pas faire living légal. That's all it is. Si nous tirons 1321 complètement, il ne va pas empêcher aucun bon quelque chose qui nous paie pour arriver. Dis-moi pour still mettre sur la terre ou non un sans ami. C'est quelque chose, il ne va pas pour faire. Et même là, il peut faire un document en écrit. Il ne va pas pour venir. Il va pour vous en servir ça. Ça, c'est juste pour donner le confort. Qu'il m'en mette sur la terre ou. Soit pour une bonne raison légale, soit pour une mauvaise raison à cause de mon corrompu. Mais il peut still rester exactement pareil. Il ne peut pas permettre non rien qui ne peut pas arriver une année 20 même s'il n'est pas là. Alors, c'est ça, le worst common denominator, l'argument plus simple pour garder, c'est qu'il est capable de servir dans certains cas pour bon quelque chose.
Merci, Honorable George. Honorable de Koumama. Depuis quelque chose. En général, contre l'aide, c'est bon avocat qui fait, most of the time. Et dans les circonstances, c'est bon avocat qui fait. Alors, qui est votre rôle et comment ça a gagné? Si ça contre l'aide, justement, il emmène dans sa direction corruption et tout qui peut gagner. Et en même temps, on les met un scénario réel des Pampanels. Un moment, il décidait, disons, il y a 5-6 petits, il décidait de donner ou vendre, pour that matter, son la terre, son la case, quand il restait, avec un enfant en particulier, sans que les autres aient consulté. Et avocat qui fait ça la vente, et sa maman a gagné ça l'argent, dit seulement la vente qu'il a fait. Et il n'a pas gardé aucune résistance. L'avocat est en train de faire ça, sa maman n'a pas résistance. C'est une fois présent qu'il signe un transfert et il a sa fille, disons, le a ses enfants, il voulait vendre son propriété et il dit son maman, allez, maman, il dit, mais non, mon parti vendre avec sa condition. Mon petit besoin garde la jouissance, mais il n'a pas gardé en réalité. Qui recourt sa maman, il est capable non. Et le fait qu'il aussi n'a pas transféré l'argent qu'il a fait, qui m'a dit qu'il n'a pas fait ça, et sa avocat lui qui dit. Merci. Merci, Mr. Chair. L'honorable leader of government business, ça c'est un cahier de transaction qui arrive souvent. Nous voit beaucoup de cas. Mais il y en a plusieurs quelque chose qui va arriver dans ce scénario que vous nous donnez. Premièrement, à cause d'une réserve comme est là, l'un de sa transaction est arrivé, à cause d'une donne tout ou bien un enfant, ou pendant les autres, ça transfère l'air ou mort. Ben les autres héritiers qui ont cette liée à ça, à cause d'une donation déguisée. Ça, qu'on fait, on fait un gift, une donation, qui on déguise comment on transfère la terre. Alors, on vient une donation déguisée. Et ça, il y a gagné cette aside. Ça, c'est premier scénario. Deuxième, c'est est-ce qu'il y en a un fraude qui est arrivé là? Est-ce que sa maman tient envie de faire ça? In which case, moi viens de l'attaler, ou bien est-ce que sa maman pas tient envie de faire ça, et c'est avocat qui soit pas comprend, ou bien qui fausse un document à cause il est bien avec ses enfants qui peut gagner ça fait. Si ça y arrive, n'a pas aucun les autres façons pour dire, il fraude sa avocat et que sa fille, tous les deux, vous autres passibles, vous autres gagnent poursuivre. Mais il arrivait par contre, troisièmement, c'est que si la jouissance est gardée dans sa transaction, si sa maman est vendue avec un de ses enfants et qu'il garde la jouissance, automatiquement ça peut être une donation déguisée. On va à l'article 918, automatiquement donation déguisée, do not pass go, do not collect 200, ou bien direct dans une donation déguisée, ou bien cancel ça la vente. Mais ça qui arrivait, et il arrive souvent, sa maman est venue dire où mon les faire la vente l'eau un de mes enfants mon en cinq mais mon les faire l'eau n vous dites lui vous dites qu'était il possible qu'il vende les autres enfants pour pas pour d'accord est-ce qu'on demande aux autres non mon pas envie d'autres connaît mon les si là où demande lui, il dit oui, les autres n'ont pas aucun problème, ou fait les autres venir, et les autres signent un document pour dire qu'ils sont d'accord que sa transaction peut gagner faire. Si il dit ou non, mon style envie de faire lui, les autres la guerre plus tard, moi ça qui m'en fait, et m'en supposé que les autres avocats ils font, m'en fait lui signer une déclaration. Et m'en écrit, m'en type une déclaration, comme quoi, mon conseil ou qui, ça document qu'on peut faire, il est possible qu'il y ait un challenge suite à avoir les autres enfants, et on comprend mon advice, et on still
envie qu'on signe et vous faites les autres signes. À cause vous faites ça? Pour qui? Dans 10 ans, les affaires sales, ou pas tant. Mais non, ça, tout ça que pose, qui te pose, le radio, peut expliquer comment tu fais ça. C'est l'exemple contre l'aide. C'est l'exemple qui. Non, il n'y a pas contre l'aide. Il y a l'exemple que tu peux. Non, il y a l'exemple que tu peux dire, un conseil, ça dit monde, qui ça qui peut faire, il possible qu'il vous gagne un challenge, mais c'est l'envie, go ahead. Et vous faites aussi dans le testament. On a des fois dans le testament aussi, vous faites ça. Vous avez envie d'en 10 un enfant. Vous n'avez pas envie d'en les autres. Même affaire, ou bien conseil, et vous faites accepter comme quoi, ou il y a un conseil, mais still in a vigor. Je ne peux pas le faire. Mais dans ce cas, ou dans 10 ans, les autres disent, mais là, tout ça, vous avez besoin d'accepter ou faire quelque chose qui ne passe bien. Mais finalement, ou seul, comme un avocat, ou seul l'obligation, c'est pour faire ce que le client demande de faire. Tant qu'il n'est pas illégal ou bien contre l'ordre public. Mais si il peut avoir un challenge plus tard, ça, on ne peut pas rentrer là-dedans pour qu'il y ait un advice, un conseil, bien. C'est la raison pour faire ici un document. C'est qu'il peut plus tard, il peut dire, mais jamais, avocat, il dit, moi, ça, là, faut savoir, on te le lit, on te le lit. Oui, Mr. Chairman. Bon, ça, il y a une série de contrôles. Mais seulement, dans sa situation qui. Qu'on aura de comment on peut monter. Moi, je vais content, mais devant un bon avocat. Est-ce qu'il souvent, il parle les cas qui, sa maman, il vient côté avocat, dit qu'avocat, moi, mon content, ça a moi, je lui donne tout, fait lui comme ça. Après ça, l'état infini donne ça a mission gone wrong. Ça a un qui donne, il dit avec lui, quand on peut sortir dans la case. À présent, l'État arrive ça, là à présent, il a écouté ça. Si ce qui pas donne rien, il dit avec les autres, mais pas ça qui m'ont dit avocat. Ça l'est là, si l'avocat a un record, il dit pour entendre bien même, quand il peut donner ça à un, quand il peut faire tout ça pour quelque chose. Oui, ou bien il retourne contre l'avocat et il dit, mon tu as envie de faire, la présence est malaisée avec moi, mon vie casse à l'avant. Ça, souvent, il arrive. Vous dites, sorry, souvent, il arrive. C'est sa présence, j'espère son amour, ou son bon enfant. La guerre, quoi, tout le monde. Et de nation déguisée. Mais si la raison est sans l'emmener, pas de nation déguisée. Ou quand on a une lésion qui nous cause de la vie, mais s'il n'a pas fait son lésion, within son période de 5 ans. Perdre son droit. Mais c'est pour retourner au contre-lettre, mais pas important pour nous, pour faire sa point, pour dire sa proposition qui peut être faite dans sa bill et qui validité un contre-lettre pour seulement 5 ans. Ok? So, après ça, il finit. Raison peut-être à cause, c'est que tout un personal right. Il prescrit après 5 ans. Mais même si, c'est-à-dire, pendant, dans sa contre-lettre, pendant une condition, il peut une action, pour quand il prend, dans sa période de 5 ans, même il peut n'être plus valable après 5 ans, qui sont dates. Sur des forts, ça dit qu'il a besoin de vivre pour faire si il y a un contre-lettre, il a besoin de renouer son contre-lettre de temps à autre. On va dit ça? Merci, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, mon question, c'est en ce qui concerne, par exemple, tu as l'outil qui cause un peu le bon title deeds qui est enregistré et non pas ben la terre qui est enregistrée. Et dans beaucoup de cas, nous voyons que la terre gagne sans l'emmène, gagne sans mettre, sans qu'ils soient mettre original, ils connaissent pour dire, ils ont encore réussi à la terre, ils ne connaissent pas, à cause des emmènes des assis, aucun n'en comme quoi, qui sont la terre, gagne vendre. Mais c'est moi qui connais originalement sur la terre pour lui, mais seulement, bon, la vente la terre, gagne vendre, une sans propriété, de trois fois. Qui recourt, ça va dire, il y a un devant la loi, et est-ce qu'il est possible, qu'il y ait un bon cafoud qui gagne faire, en ce qui concerne, bon, la vente la terre, qui nous dit, gagne van in récence l'armée sans qu'ils soient mis la terre qui sans qu'il la terre lui-même il gagne van. Merci.
Tu peux répondre. Bon, oui, par exemple, tu dis avant, nos systèmes anciens, bon, qui est encore valable, pour aller la digue dans le cas, il y a une transaction seulement, leads, et en fait, la loi, il oblige registrar general, là, il y en a un conveyance qui a présenté, pour publication, pour publicité, il a besoin de résister, s'il n'a pas résister, il est capable de payer dommages et intérêts. À cause, lui, son rôle, c'est de register bids, il a enregistré tout bids qui vient devant lui. Lui, par la poule, il a sa bids pour lui dire si, qui sont légalités, qui sont transactions, il a le mettre dans le répertoire. Voilà. So là, il est capable d'être des gens qui ont le même site, mais autres présents, ils ont à l'encours, ils ont décidé lesquels qui ont le sens justice, lesquels qui ont le better title. À cause pour le cas, il dit, moi pour moi ça, mais il est capable de dire qu'il vend nous lui-même. Li. Il n'a pas capacité de vendre lui. Mais il vend nous. Mais on a le premier, on a le sur la terre. Mais pas de dire qu'il y a cause de la terre, ou on a propriété la terre. Et quand il y a un petit là-bas, li, qui lui, il gagne sur la terre avec sa vraie propriétaire. Et sa vraie propriétaire, il transfère. Pour exemple, là, j'ai besoin de la guerre avec quelqu'un en titre. Et là, il a dit, ouais, c'est ça, il y a une prescription qui quand même tout plaît, à cause où il a dit, mais moi, j'ai un titre, moi. Et par mon titre, mon bouquin a prescrit par 10 ans. Whereas, si vous, à cause de mon de bonne foi, mon gagne un titre propriété. Donc, il y a un très bon mécanisme pour le bouquin a servi. Non, parce que moi, je cause, anyway, dans les trois cas, mais c'est un connaît spécifique, comme si maman est mort. Mais c'est malin dans Aziz son une fille qui connaît pour dire il peut rester dans la case son maman. Aziz on ne sait pas combien l'année qui vivent là sur la case il pour lui il dit il passe dans la case son maman et il réalise pour dire la terre quand il vend deux trois fois sans qu'il y connaît. Après il y en a ben les autres aussi côté ben héritiers aussi qui dit la terre autre maman quand il vend sans qu'il personne ben héritier il connaît. Mais c'est mal la terre quand il vend. Pas dit la terre, mais c'est même pas être moyen, non, ça fait title deed, zot la vente la terre qui gagne essence propriétaire sans qu'il la terre lui-même il gagne sans. Ça comment c'est? Ça me dit, non, pas que je dis, c'est qu'il y a la même transaction qu'il a fait, mais seulement ça a dit, mon qui a la possession sur la terre, yeah. Pas sans. Il pas me dit qu'à cause de ma terre, la terre, il a besoin de possession. Je suis capable de décider pour acheter la terre, oui, maintenant, un legal possession, mais je ne pas prendre un physical possession de la terre. So, ça y est, il joue. Il y a quelque chose qui vous comprendre, c'est que l'air que prend la terre, ou acheter le nouveau système, le même registre. Un acheter, il n'est pas obligé pour y aller au bar, pour y aller au nouveau système, avec le petit propriétaire. À cause de la modification of titles decree, vous avez pris la terre, vous avez mis le nouveau système là. Tout ça fait un exercice, des affaires qui fait. Mais vraiment, il est capable d'y arriver dans le cas. Il est arrivé, moi, dans le cas. Côté, là, on a le derrière dans l'État. Ou à vous dire, il en est l'erreur. Lola, il en est l'erreur. Il y en a dans la terre, par exemple, qui. Le gouvernement, il va dans la jurisdiction de la loi, il dit, si le gouvernement, les autres veulent faire son exercice, les autres doivent vous dire qu'il n'y a pas une propriété. Sa propriété n'est pas qu'à être identifiée. Et les autres parlent pour le verser dans le contestier. Le gouvernement prend ça à la tête, mais le son nom. Par exemple, les savants propriétaires, sa vraie propriété, vous avez réalisé que vous avez la terre, là vous avez commencé à procéder, vous avez clé de la terre avec le gouvernement. C'est ça qui va aller dans le chercher la terre de façon plus meilleure. Les titles, vous avez premièrement un qualified title, correct. Et là vous avez une clé, ou bien ça type dans converter un absolute title. Quand là, par exemple, on dit, après une certaine période de temps, comme on dit, c'est 10 ans, on fait une special application, on dit avec le registrar, là, par exemple, on convert mon qualified title, un absolute title. Mais, par exemple, on dit, le gouvernement est resté la terre qui est capable, pour la loi, il fait provision. Moi, moi, en particulier, quand le gouvernement, il met ça à la terre au lit, jusqu'à un trust, sur tout son extent,
jusqu'à qui. Mais si, par exemple, vous n'avez pas une clé, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous pouvez même carrément dire, mais on a quoi, on va pas finir, on fait un jour ou trois. Okay, merci, Edgy. I will now pass on to Professor to explain Article 1341 so that we can move on. Thank you, Mr. Chair. The Article 1341 is a basic rule of evidence, of proof, and it is its requirement is based on the value of the claim, and at present and for a long time it's been set at 5,000 rupees. The review committee has proposed that sum be raised to 50,000 rupees, simply to reflect the change in values and the fact that many transactions under that value on a daily basis will not be transactions that are documented. So this is, if you like, a formal and updating provision, and it's brought to your attention. The sum fixed, proposed to be fixed, is 50,000 rupees instead of 5. Thank you, Professor. Honorable George. Thank you, Mr. Chair. Pareil, professeur, fait qu'expliquer. Ça, il y a une provision que les hommes qui sont en cours, aucune quelque chose que vous pouvez claimer, qui parle là-haut, comme il a 5 000 et nous pouvons proposer 50 000, ou besoin d'un document. Si on n'a pas de document, on n'a pas capable de donner l'évidence orale. On n'a pas capable d'aller dire, mon poète l'honorable Mandon, 75 000 euros, enfin, comme il a, 6 000 euros, et pas non moi. Comment on peut dire ça? Son avocat vous lever pour dire, on va à l'article 341, ou pas grave, cause oralement, là, ou besoin d'un document pour prouver comme quoi, si y a dans sa transaction. L'article 341, il a des postes, il a des morceaux. Premier, c'est ça qui m'ont fait décrire. Deuxième, c'est qu'il y en a un document, si nous regardons 1341-2, il y en a un document. Ou pas capable de donner l'évidence pour expliquer ce document. Ce document, il veut dire cause pour lui-même. Ou pas capable de dire, là, la monde avant la terre, c'est l'honneur, malgré qu'il est là, il dit qu'il m'en vend ça à la terre pour 50 000 roupies, actually, m'en vend pour 100 000 roupies. Et mon père vient réclame ça 50 000 roupies en plus. Ou pas capable de faire ça, à cause, ce document, il veut dire cause pour lui tout seul. Ça, c'est son principe. La loi, son principe, l'évidence. Et pareil, ils ont remarqué, il fait une façon pour vous qui succède dans une caisse assez difficile si on n'a pas un document. Et dans beaucoup de cas, on n'a pas un document. Alors, il y en a certaines exceptions qui nous ont fait à ça la règle. Et si on regarde 1347, 48, 1347 et 48, vous allez avoir de l'exception. N, c'est si on a ce qu'on appelle un commencement de preuve en écrit. Alors, dans le cas qui m'ont fait dire, si par exemple, mon péclim, 6 000 roupies contre l'honorable Mandon, et il levait, il dit 341, one, ou pas qu'on ramène l'évidence orale, mon petit, un récit. Comme quoi, il n'y a moins un récit qui est de recevoir 6 000 roupies, ça il vient un commencement de preuve en écrit, ça veut dire que ce document, ce récit, il prouve que ce qui m'a fait dire est probablement vrai. Okay? Alors là, dans ce cas, je suis capable de donner mon évidence avec preuve, ça écrit. Une autre façon, c'est que si 1348, si une transaction contient une impossibilité morale pour moi en un document,
si on lit le monde, on monte pour être 6000 roubles, il dit mon frère. Oui. La loi dit ou bien là, on peut donner l'évidence. À cause, ou pas pour le demander nous frère, donne-nous un récit, ou pour être lié là. Okay? Ou bien, ou tonton, ou bien, ou madame, ou whatever. Dans ce cas, ou capable de donner ça l'évidence, à cause, ça évite l'exception. Il y en a les autres exceptions. C'est si un affaire commerciale. Là, il y en a l'exception qui, si une transaction commerciale, si mon acheté ou bien mon vend quelque chose avec un boutiquier, disons, là, à ce moment-là, mon carabin donne oral evidence, ils ne m'ont pas gagné constraint par 241. Et il y en a une quatrième façon, et ça, il y a une chose technique, c'est qu'ici, on n'a pas aucune sa bonne façon, mais still, with an oral evidence, ou capable de demander ça à quelqu'un qui peut objecter, pour lui entrer dans le box, et on demande les trois questions, et si c'est une bonne question, il peut répondre d'une façon courtoise, il peut essayer ça y est, la cour qui apprend ça, l'évidence orale qu'il peut donner, comment un commencement de preuve en écrit, et là où pour guetter. Ça, c'est bonne l'évidence technique. Bonne technique, l'évidence qui nous servit. Mais le principe qui nous peut faire, là, c'est qu'il nous veut demander, c'est 5000 euros petit au bas. Alors, nous levons bas un peu plus pour faciliter bonne small claims qui peut gagner faire, par exemple, pour pas bit contre ça problème, ça problème 5000 euros. Et même ça fait avec 1341-2. Pour un document. Merci, Mr. Speaker. No, Mr. Chair. Okay. I have one issue. I know it is more or less settled in our actual code, is with regards to interest. Because if, for example, somebody owes me 10,000 rupees. No, let's say 40,000 rupees. I can bring a case against him and prove the existence of the contract by all means, oral evidence. Now, if, however, I have made a demand to that person a month after and that person does not pay me, interest under the law starts accruing, because if there is no writing, there will be no writing in terms of interest unless there is an agreement that I can actually prove exists with regards to interest, or there is this initial proof in writing that says that interest will be 10% or whatever. Now, if I take my case 3 years later, and with the interest that has accrued, the debt has increased from 40,000 to 51,000. So, by virtue of paragraph 1341(3), I cannot bring the case without a writing. So, I believe maybe we need to consider saying that interest should not be, because the debt itself, the principal debt, is the one that is without a writing. Yeah. Whatever interest that accrues as a result should not be taken care of, should not be capitalized when I capitalize my claim, because I can, when I file my claim, because I can simply say, you owe me 50,000 rupees, and then interest is due from the date of the demand to try and find ways to circumvent. I think maybe we should look at the possibility of not add interest if it exceeds 50,000 rupees. Yeah. Yeah, but if you don't add interest, it means that interest will always be a component which will escape from being chased by the creditor. Is that normal? No. I will claim the interest, but if I add my interest to my principal sum, if it goes beyond above 50,000 rupees, then I can still proceed as without a document. Without a document, because what happened is that if you look at 1341, it says any matter, the value, the matter. What is the matter? The matter is my claim, my agreement, on which I make my claim.
As a result of this, the interest has accrued because I may never claim interest. I'm only asking this question because the banks today, whenever they, you, if you take a loan, they charge you interest. And if you look at your statement every month, they add the interest that's due for this month and they put up your total loan. And you say your loan has now gone up, and then they take out your loan repayment, principal plus interest, which brings it down to the level it should be. But if you are to say, leave that out, in effect, you are playing around with the principle of how loans are structured today. No, but loan are structured more in writing. There's a writing to that effect, which will say that there will be. In fact, now central bank has set the penalty interest, I think, to 2.5%. I'm not sure. So the bank cannot charge penalty interest at a very high rate. 10% if you want. No, the central bank has capital. Before it was 13%. At one time it was 22%. Penalty interest only, in addition to your normal interest. But I'm not talking of that. I'm talking of the normal interest. Let's say it's a housing loan, 5%. No, but in this case, the court will take the legal interest. And as per the interest act, the legal interest is 4%. What the agent is saying is, for me, I will call practice where most judgments are given. The quantum plus interest. Yes. Is what we hear often from the law. What happened is that, let's say, for example, somebody owes me 40,000. I will claim because, you see, interest under the law starts from the day of the demand. Where no interest is agreed upon by the parties, interest starts running from the day you make the demand. If you make the demand, you never make the demand at all. But the demand is made when you file your case in court. This will be treated as the day that you make your demand. So that will be the day that interest starts to run, to accrue. So if somebody owes me 40,000 rupees, he told me that he was going to pay me within a month. Within a month, he doesn't pay me. So I then send him a note, a mise en demeure, a notice to pay, and I said, pay me my debt, 40,000 rupees. He doesn't pay me. I don't have the means to file a case against that person. So 3 years later, I decide to file a case against that person. The interest is deemed to have started to run. So I will claim the 40,000 plus the interest. But if the interest has accrued so much that it now exceeds the principal debt, I cannot rely on the writing anymore, because the fact, the delay for me to file the case with the interest having accrued, I now cannot file a case against that person. I've lost the right. Because the matter, which was 40,000 rupees, now has become a matter which is 55,000 rupees or 51,000 rupees. But then what you're saying is 13413 needs just a simple amendment where this article shall not apply. Shall not apply where the action contains, apart from a claim for capital, a claim for which interest added to the capital exceeds 50,000. This is something that I'm putting forward to see whether it will find favor. So it should be. Excuse me, Professor. Am I right that when you are then outside the provision, you would then have to rely on commencement? So you would get there anyway. Yes. So deleting that changes nothing. But simplifies it. But if there's no commencement de preuve, because commencement de preuve sometimes is a writing, or it is what the Honorable George just said, an examination on one's own personal answers. So this is the way to. This is the only way. So I have no writing whatsoever. I will not be able to prove. The only thing I would be able to prove is stand in the witness box, give credible evidence, and call that person and say, you owe me money, or put him on his on a note. But if it goes beyond, I will not be able to. There's no check. I gave him cash. I've seen this in practice. It seriously affects. And in fact, this 5,000 rupees is something that we should have changed long, long time ago.
because 5,000 rupees in 1976 was worth 50,000 or even more today. All right, so I think we've come to the end of the session for today, and we will carry on tomorrow morning. I would like to thank the panelists and thank everyone, members of the National Assembly, and of course, everyone out there listening and interacting with us, and of course, SBC. Bon, nous parlons de l'heure aujourd'hui pour nos sessions, et nous pouvons continuer demain matin, 9h. Et en tout cas, je suis content de remercier tout le monde le panel et tout le monde l'Assemblée. Et bien sûr, remercier tout le monde, membres publics d'ailleurs, qui interagissent aujourd'hui avec nous pendant cet exercice. Et moi, je suis content aussi de remercier SBC pour transmettre nos travaux aujourd'hui live. Et Paris-Monti, nous finissons là et nous reprenons le travail demain bon matin, 9h.